Dans ces cartons arrivés tout droit de la République de Corée, un lot de tests PCR pour la détection du virus SARS-CoV-2, des tests rapides du paludisme et du VIH-Sida. Ce don représente la longue amitié existante entre la Corée et le Gabon. Depuis le début de la pandémie, la Corée et le Gabon ont intensifié leur coopération bilatérale dans la lutte contre la COVID-19. Sur la base de cette coopération existante, nous pensons que la Corée et le Gabon peuvent étendre leur coopération dans divers domaines. Les relations entre le Gabon et la Corée du Sud, vieilles de plus de 5 décennies, ont pris une nouvelle tournure avec la pandémie de coronavirus. Donc aujourd'hui, c'est une coopération qui est pratique parce qu'elle suit ce qui se passe sur le terrain. Nous sommes sur la troisième vague, nous avons beaucoup de patients hospitalisés en réanimation et de patients graves. Donc on a besoin effectivement d'avoir effectivement cet accompagnement en termes donc de tests diagnostiques, non seulement pour le Covid, mais également pour les comorbidités, parce que nos patients n'ont pas seulement le Covid, ils ont également le palu, ils ont également des terrains avec des morbidités particulières. Un dispositif bien accueilli par les autorités sanitaires du Gabon qui en demandent d'en faire bon usage.